Mais ni papa, mais ni maman. La police n'a rien pour arrêter frère monsieur Mio 2 Dominique ça on a regardé là, regardez bien oui, deux Dominique ça yo. Et ben la police grand bois arrêté yo comme moun là qui transporter munitions ak zam by base 400 Marozo. Nek sa ou là qui transporter munitions ak zam pour l'amour sans jour. Attendez oui. Mais yo là, regardez bien. Yo c'est deux Dominicain. Pendant que là, Haïti en bas gros crise, président yo Luis Abinadel a déporté 10 000 Haïtiens par semaine, Ranbeya, puis Malke Jean Lia, plus Gregou, plus Misère, Saka Costou, plus Bandi dans le pays tout. Parce que 10 000 moun par semaine. Ça qui arrive, yo pa gen rien pour faire. Gregou a pété fiel yo. Eh bien, yo ka lage kon nan gang, oui, nan bandi, oui. Parfois, de moun je moun nan te gen ti san. Bandi déjà, ti san défaut, tanta, grongé, et puis il tombe là en bas main, là, moi, 100 jours, le 400 Marozo, le roi j'ai bien passé avec l'argent volé, l'argent y'a pillé, donc ça là, t'as tout arrêté pour le faire partie, gang nan tout. Donc là, y'a déporté nous, et puis mes Dominicains, frère Msemyo, la police prend deux sa yo, qui a transporté balle, zam, bah, là, moi, 100 jours. En tout cas là, seulement si c'était haïtien, nous t'avons au BK, comme si dominicain, yo c'est étranger. Nous tolérons en tout cas. Et là, frère Msemyo, agent Bessapio qui répond barbecue. Barbecue là, qui était carrément invité M. Bessapio pour venir joindre dans le cadre de la révolution. Révolution Mbakonen. Et bien là, agent Bessapio carrément, yo répond barbecue tout dans le boule figuil. Yo dit que yo pas de bandit, yo pas de bandit dans le rang. Job yo, c'est protéger les airs. Job yo, c'est protéger environnement. Yo pas là pour aller. Fè coalition ak bandi pou al jwenn bandi pou révolution. En tout cas là nèg yo bien fè barbecue belle malhonnête nou pral tande mes amis bagay sa m saisi lui ou m saisi bagay sa m pa janm te konnen non si ancien président provisoire Joslem Privert m pa janm konn sa m saisi bagay sa un nom de président pays d'Haïti ou te président malgré ça ou pa ka fè 2-3 mois nan pays ou. Et bien là, monsieur Mio, selon TTTL TELUS, Joslem Privert trouve le caï voisin, caï Abinadel. Malgré que nous avons Abinadel à humilier Haïtien. Et puis, nous avons un président qui installe bien propre, bien tranquille, caï Abinadel. Donc là, ça parle en pile, TTTL TELUS mandé pour Abinadel déporter Privert et pas pour le passer Riley. Koleli, souti haïtien malrez, kal bouske, kal cherche la ville la kaili. C'est pour le mettre déporté tout, gros outou breyo. C'est pour Abinadel qui te sousou, c'est pour le mettre déporté tout, gros morceau, gros outou breyo, qui la cause Haïti na yita sa. Si yot fait Haïti na yita sa, qui fait que Haïtien obligé à la bouske la yu kaye voisin. En tout cas, tete parlé ak Joslem Privert et pour Abinadel déporté monsieur, nous voyons le temps de yi. Gen la frère monsieur Mio. Porte-parole PNH là, Michel Jean-Louis Jeune, qui a eu confiance pour la presse là-dedans, lui présenter bilan opération la police là. Tout dernier bilan opération policière qui mène là, et bien porte-parole la police là, Michel Jean-Louis Jeune, a eu bilan important, ça bon, important pour nous entendre li dans la fin vidéo. En tout cas là, nous sommes Jim Studio, commentez, likez, abonnez. Entendez là, c'est monsieur Bessapio qui répond barbecue, qui fait le gros malhonnête. Barbecue bouche, c'est pour lier, qui a dit ça y est. Et mais faut pas que tu connais. Nous-mêmes, c'est un arrêté qui te mette nous là. Ce n'est pas gang nous-mêmes. Nous-mêmes, ce sont des agents, Bessap. Et comme nous-mêmes, nous toujours remarqué la police après venir dans la gang, mais nous-mêmes, Bessap, nous parlons pour gang. Parce que c'est raison que nous parlons pour gang, nous avons des amis, si nous devons faire gang, nous avons fait gang. Nous disons nous-mêmes, nous là, c'est pour nous défendre la patrie, la patrie en danger. C'est pour ça que nous-mêmes, nous là, comme Bessap. Nous entendons la parler, il dit que. Et nous-mêmes, Bessap, c'est lui qui nous a venu pour nous résoudre le problème pays. Nous avons besoin de pays, le problème pays à résoudre, mais ce n'est pas dans la gang. S'il veut nous résoudre le problème, ce n'est pas dans la gang pour lui. S'il veut la police qui n'a pas eu venu, comme il toujours dit, ça présente la police, mais ce n'est pas Bessap qui n'a pas eu une barbecue dans la gang. Nous-mêmes, nous là, c'est pour nous sécuriser les populations. Les populations en danger, c'est pour nous sécuriser. Parce que la parole dit qu'il n'a pas arrêté le monde pour nous faire ouvrir. Oui, c'est pour nous faire ouvrir, mais nous travaillons pour la population. Mais après avant déclaration, il y a un discours révolutionnaire. Selon ça, il t'avait expliqué, c'est à cause de la révolution, donc même la bataille pour la révolution. Et puis même non, barbecue qui a passé 5 ans depuis la couronne de révolution. Mon pari est moins fait. Barbecue, c'est comme la paix. Chaque fois que vous avez fait comme il parle de révolution.
à l'isolation ça nous avons nous même en tant qu'agent de ça en institution légale tant que nous même nous n'avons pas rentré dans le camp avec nous c'est impossible. Est-ce que c'est la position nous prenons là nous allons mettre les conseils tout de ça pour notre pays les conseils tout de ça nous pas agent de ça pour n'avoir rentré dans le camp si nous avons fait ça c'est que nous avons la batterie nous avons le peuple là. Et nous parlons là pour aller dans la gang. Est-ce que BESAP est concerté déjà avec BESAP qui est au cap de notre département où nous connaissons même 10 fois dans la côté? Très bonjour. Si nous avons un groupe, nous partageons tout ça, nous avons besoin de partager sur le wagon. Nous avons besoin pour faire appel, nous avons un groupe et nous parler, c'est fini. La question, nous parlons chaque jour. Nous parlons sous groupe parce que nous avons un groupe national qui nous avons toujours partagé des idées ensemble. Alors, quel que soit ça, on me dit là, il dépend de tout BESAP. Mais est-ce que cette déclaration ça va pas le faire quelques agents de SAP subi en bas mais nèg vivant ça? Non, il va pas subir comment c'est bien. Pour qui ça veut subir là? C'est que nous même nous jute barbecue à connait, nous pas la dingue. C'est là dit pour nous venir venir. Comment là venir venir là? En tant que nous c'est agent, nous c'est l'état. Barbecue c'est pas l'état, c'est un groupe qu'il formé, il vend des tétés comme gang mais nous pas gang, nous sommes. Mais il traite nous tant que des sous-sous parce que j'ai nous fait gourmet et agent nous mouri pas qu'une réaction et puis c'est à l'agent nous a fait sur nous ça rapporté. Bon, il a toujours dit c'est comme nous t'as fait parce que lui-même si nous t'as voulu faire comme j'en dis parce que nous quand il prend l'arme c'est kidnapper monde tuer monde gens qui a fait comme ça mais nous même c'est pas idéologie nous ça nous même c'est défendre la patrie c'est ça nous là pour faire c'est ça qu'on toujours il a toujours voulu nous prendre l'arme pour nous faire mon quitter zone là même j'ai fait tout le monde pour le prince mais nous même dans le département d'Odès c'est goumen pour nous défendre la patrie au lieu pour nous faire groupe qui se joindre venir nous parce que mais en pile mal pas journée aujourd'hui ça qui passe dans Saint-Domingue tout le monde qui a couru quitter Port-au-Prince c'est Saint-Domingue y aller journée aujourd'hui pas arrêter Saint-Domingue quand il a demandé c'est ça la cour là en tant qu'agent de ça faut que Haïti change faut que frontière ferme et si frontière va fermer pour nous résoudre problème ça qui en République dominicaine là bon garantie dans 2 3 mois encore on va prendre tout haïtien parce qu'il nous le doit. Nous même nous prenons toute initiative pour fermer toute frontière. Et nous attendons le peuple là, pour le peuple là devant nous. Mais dis-nous, on va passer à l'action là. On va passer à l'action, c'est le peuple là attend. Sans le peuple là, nous ne pouvons pas avancer. Alors, pendant qu'on parle de République dominicaine, avec déportation, alors nous connaissons une coalition qui va s'amener, une coalition qui est vraiment en faute. Et qui, côté le peuple, ils ont physiquement des problèmes, ils ont des alliés. Et quand il y a là, côté la police, il y a plus de monde qui est en République dominicaine, et en plus, qui a gestion de la communauté. Est-ce que nous ne pouvons pas dire que les gens ont créé des problèmes dans la communauté? Et qu'est-ce que nous avons pour nous combattre? Non, il y a une belle question posée là. Et avant que nous recevions les gens, il faut que nous allions nous identifier qui est lié. Et qui côté le sorti, qui est origine nous. Et c'est ça nous fait. Et les gens viennent nous toujours checker pour nous qui est. C'est de même qu'il y a un pile qui sauve et qui est pays. Et puis le regard est venu là, il vient à terre là. Et c'est ça hier, il y a un petit problème avec Bakale sur ça. Bakale n'est pas venu, il toujours le poil pour lui mettre dans le bazar. Nous disons non. Avant de venir dans le bazar, il faut que vous parlez avec nous pour nous identifier qui est ce monde. On ne parle pas de monde. Qui monde? Le monde qui est en République dominicaine. On déporte. Déporte. À ce sens, nous-mêmes, nous n'avons pas de problème pour nous identifier personne. Mais il faut que ce monde nous connaît, illégal, capable de côté dans tout le pays. En parlant de Bakale, comment BESAP ouais et travail Bakale a fait et Bokanal là? Bon, travail Bakale a fait, c'est un bel travail. C'est un bel travail et nous-mêmes, nous n'avons pas de problème avec le travail Bakale a fait. Seulement nous connaissons terre si on terre qui est en discussion. Et si le peuple a dit qu'il décide de augmenter à nous-mêmes, nous n'avons pas pillé le peuple là. Nous-mêmes, c'est pour le peuple nous là. Dans ce sens, c'est le peuple là qui nous dit bon. Et nous avons pu nous motiver sur la question nous-mêmes nous là. Pour accompagner le peuple là. Où dit si le peuple a dit? Comment pensez-vous que le peuple a dit? Le peuple a dit que chaque monde qui est sur terre, il dit qu'il y a des années. Là, on va accompagner le peuple là. Tout ça, c'est le peuple. Si c'est celle qui est allée, nous-mêmes, nous ne pouvons pas le camper ensemble avec celle qui est allée. Mais depuis que le peuple a venu, il dit que tu es à l'école, bon, nous-mêmes, pas gagné le choix. On a parlé qui, ensemble de travail, et que la police réalisé dans le département sud du pays. Et nous avons parlé certainement sur ce qui a passé dans la Tibonite. En sud, la police a pied d'œuvre et la travail et de concert avec l'autorité locale, notamment le parquet des CAI, la police vivait démantelé un plus gros réseau vol de moto et habitude, monsieur Damzayo. C'est voler moto dans le département voisin, mettre dans des conteneurs, mettre dans des camions à broter charbon et aller vendre moto ça yo et moto ça yo utiliser yo pour moun ka fait antenne pour bandi. Ceci au 1er 30 septembre 2024 là, c'est 104 moun que la police dans sud privé arrêté pour diverses infractions. Parmi 104 moun ça yo, 27 moun arrêté sur mandat. C'est l'autorité judiciaire dans le département qui est servi des mandats. Le réseau mafieux qui travaille dans la question de la motocyclette.
c'est 13 personnes que la police devait spécialement arrêter et 38 motocyclettes confisquées. N'oubliez pas que l'opération ça lui est faite de concert avec l'autorité judiciaire dans le département. Donc, tranche d'âge et Mounsayo, c'est des gens qui varient entre 28 à 55 ans. Donc, ça veut dire que nous avons une idée qui type de monde, qui catégorie de monde qui est impliqué dans ce genre de transaction. Alors, que dans Grand Danse, jour qui était 9 octobre 2024, là, la police dans Grand Danse, il veut faire un bel coup de filet côté un chef gang qui est le Tikaken. Et dans un premier temps, qui était montré que il rencontrait avec l'autorité locale, il remet des armes. Côté lui, t'a fait comprendre que n'est pas dans la question de banditisme encore, alors que lui continuait l'activité criminelle jusqu'à jour qui était 9 août 2024 là, dans échange de tirs avec la police, il t'a pas arrivé mortellement à terre. Donc c'est ensemble de bagailles qui méritaient attirer l'attention de la population, hein, parce que en pile dans bandits, il a traqué dans le département de l'Ouest avec la Tibonite, il a cherché refuge dans l'autre département. Et c'est ça qui fait nous toujours attirer l'attention de la population pour très veillatif par rapport à des visages que nous ne connaissons et nous ne pas habitués à voir dans l'environnement. Chaque fois, il y a des gens de visage, il y a des gens de monde qui ont fait monter, qui ont fait des allers-retours dans l'environnement. Il est important que vous alertiez l'autorité judiciaire, l'autorité policière, l'autorité administrative. Et s'il y a des interventions qui sont nécessaires, des enquêtes à mener, et à connaître effectivement est-ce que c'est des gens qui méritent de traquer. C'est important tout pour nous faire population connaître. Et depuis l'attaque meurtrière dans le bas à Tibonite, plus particulièrement dans le pont Sondé, et commandement la police là rapidement et prend des dispositions pour différentes unités spécialisées. Et coordonnées anti-gangio qui est arrivé dans le département. Le moins que nous sommes capables de dire pour l'instant, le département est sous contrôle de la police. Il y a des opérations qui commencent maintenant, notamment dans le fief foyer gang Kokora Sanras qui est dans la Croix-Péris, et notamment aux environs de Savière, il y a des progressions qui commencent à faire jusqu'à ce que l'unité arrive dans l'espace et pour neutraliser Bandio. Donc, il y a un ensemble de travail qui commence à faire. Par exemple, le marché consommé et fonctionné normalement. Et dans le principal axe, il y a plusieurs barrages routiers. Et côté bandits, qui sont considérés comme étant des points de rançonnage, côté de rançonner la population. Donc, la police est arrivée à libérer l'espace. Maintenant, la police a continué à progresser jusqu'à ce qu'il arrive dans le fief. Grand foyer comme ça pour arriver par la population, il y a un nouveau souffle pour la population capable d'arriver vaquer à l'activité libre pour les gens avec bien capable d'arriver circuler dans meilleures conditions de sécurité. Nous voyons depuis quelques temps, bandits utilisent l'intoxication, désinformation comme un outil pour détourner l'attention de la population, pour essayer de jouer à l'opinion publique là et dans une large mesure essayer ouais comment vous capable détourner attention force de l'audio pour pas arriver sur Sibio. C'est qui ça d'abord sur réseaux sociaux les viral côté bandio a montré que gen char ka brûlé côté bandio a montré gen policier à la fois policier étranger et policier national qui mouri. Nous voulons dire opinion publique là. Pas gagné ni char en cas d'opération ça que la police a mené dans la Tibonite là depuis arrivé à minute m'a parlé là. Pas gagné ni char qui boulé, pas gagné ni policier kenyan qui mouri, pas gagné ni policier haïtien qui mouri. Ça est extrêmement important pour nous faire opinion publique là connaître ça. Par contre, qui ça fait, ils ont utilisé des images qui était passé longtemps dans l'autre circonstance et puis il a essayé ouais comment il a adapté à ça qui a passé la Tibonite là notamment pour détourner attention monde et nouvelle population a été très vigilant
et par rapport à ça, et pour continuer pour te supporter, pour continuer pour collaboration, by force de l'ordre, parce que les bandits ont appuyé, les bandits ont simé la pagaille, tout le monde, quelle que soit couche sociale ou capable appartenu aux victimes. C'est frère nous, c'est soeur nous, c'est maman nous, c'est papa nous, c'est cousin nous, c'est cousine nous, c'est policier nous, c'est avocat, c'est médecin, c'est toute catégorie sociale, c'est journaliste, c'est tout le monde qui est victime. Donc tout le monde ça y est, a intérêt à faire une cause commune à une situation criminelle qui a dérangé nous. La police, à travers la direction centrale de la police administrative et le parquet du Saint-Marc, des informations comme si tu as un problème entre la direction centrale de la police administrative, ça nous relie le DCPA pour nous rendre compte avec le parquet de Saint-Marc. Or, c'est deux entités qui condamnées pour travailler ensemble et pour résorber, pour arriver à contenir la situation. C'est qui ça, ça y est. Et il y a des gens qui montrent sur les réseaux sociaux, alors, le commissaire Saint-Marc, le commissaire parquet Saint-Marc, t'es venu dans la direction centrale police administrative, il était rencontré avec le directeur central de la police administrative pour lui faire part des situations éventuellement qui allaient arriver dans le consondé et que l'inspecteur général l'a recevoir. Effectivement, le commissaire gouvernement, d'après l'inspecteur général là que nous rencontrons, le commissaire gouvernement venu dans la direction générale pour le rencontrer avec le directeur général. Il est allé dans le bureau chef cabinet du directeur général, là, il prend un rendez-vous pour le rencontrer avec le directeur général qui passe sur place le jour. Et il m'a parlé le 2 octobre 2024. Alors que l'événement meurtrier, la Tibonique, est arrivé dans la nuit du 2 au 3 octobre. Ça, c'est un premier bagage, nous besoin de signaler. L'événement est arrivé du 2 au 3 octobre, alors que situation ça, là, il existait depuis environ 4 à 5 ans. Commissaire gouvernement vini le 2 octobre, situation parle dans la journée, situation parle arrivé dans la nuit du 2 au 3 octobre. Alors que commissaire gouvernement dit, c'est inspecteur général là, directeur central police administrative là, responsable ça. Ça veut dire une situation qui là, qui vieille depuis 4 à 5 ans, dans l'espace de quelques heures, on se met responsable. Tout le monde cap comprendre, cap analyser la situation de près, nous pensons capable de faire tête ou opinion. Or, le bureau du directeur central de la police administrative ne se trouve pas à la direction générale de la police nationale d'Haïti. Le bureau du directeur central de la police administrative se trouve à quelques mètres de la direction générale. Je ne suis pas même sûr que le commissaire gouvernement compte pour le bureau directeur de la police administrative d'Haïti. C'est certain que l'inspecteur général l'a fait qu'on n'est pas jamais rencontré avec le commissaire gouvernement. Donc, pas de question de la police administrative là, pas de recevoir. Parce que, au contraire, le commissaire gouvernement et le directeur de la police administrative là, et la police dans son ensemble, ils ont condamné pour le travail ensemble et l'autorité, entité dans l'État, la police, ils ont obligé de jouer une sérénité. Pour le travail, pour le faire cause commune, pour le défendre un intérêt commun qu'est la sécurité. Depuis environ 3 mois, bien sûr, depuis la mise en place de la nouvelle administration, ça, après, son leur paradigme, et son leur façon de faire. Et donc, la police n'est pas contentée essentiellement pour intervenir, mais la deuxième phase qui est tout aussi importante, c'est la phase de la consolidation. Et c'est ça qui prend plus de temps. D'ailleurs, c'est à peine perdu que la police intervenue, ils font les faits pompiers, après ça disparaît. Donc après, depuis la nouvelle administration, ça change le paradigme. Et non seulement la police intervenue, donc ils ont une phase de consolidation que ils mettent en exergue, qui pour permettre à ce que les malfaiteurs ne pas retourner et viennent nuit et la population en bien-être. Mais pendant la dit ça tout, nous devons rendre compte et nous devons souligner tout que le problème là, il est quasiment national. Et la police, il a pour obligation pour intervenir tout côté ça à la fois. Mais il faut comprendre tout, des fois, nous sommes limités par des moyens.
Donc c'est des bagages qui méritent pour nous prendre en compte tout, qui fait des fois, après, même si la police a une volonté pour faire face des consolidations, aller le plus loin que possible, vu que à chaque fois, comme si il y a un problème qui est aggravé quelque part et la police est obligée d'intervenir. Disposition de guet-en-plan pour renforcer les rivets et commandement et informer et les situations. Et j'en me souviens là, et même genre, commandement de la police, il y a une stratégie, les bandits à tout, il y a une stratégie, c'est et essayer de et nuire la population hein, le plus possible. Et la population hein, et doit tout joindre et bien collaborer avec l'institution, hein, pour collaborer avec le commandement, la police là, et autorité locale, maire, et autorité administrative, autorité judiciaire. Et la population dans son ensemble doit être impliquée parce que Jean Soudzoula, c'est tout le monde qui a dérangé et c'est tout le monde qui doit faire cause commune et pour contrer la situation. Ça. Côté ma parole là, certainement il faut arriver déjà et parce que vous êtes déjà en route et le commandement a multiplié et effolié, a multiplié les moyens, les maigres moyens et qui à la disposition là, pour arriver au maximum. Et possible que le capable. Il y a des interventions et il y a présence et la police là, et dans le grissier. Et il y a présence de la police un peu partout. Et commandement par un commandement qui était croisé avec plein pour moyens, mais au moins les maigres qui sont à sa disposition, ils commencent à mettre en œuvre, ils commencent à utiliser et ils commencent à bailler le minimum de résultats possibles. Il va déporter pour l'hiver. Chargé haïtien plein million la caillou. Nous ça va déporter. Yo pas égaré non parce que t'es égaré même. Ça dit généralement m'a regardé quelques images. Côté que nèg yo a rentré dans caillou, nous on regarder caillou. Dans caillou nèg yo a rentré, a caillou la veut dit misère. Ça dit nèg yo seulement garder porte caillou et puis yo dit ah haïtien trait là. Tellement yon kala, ti bagay, en tol bagay, tout mal fait, tout sale, yon tout dit sa haïtien la. Gen kèk kote yon entre kèk résidences. Mais c'est pas, c'est un cas ou mille. La majorité kote yon nèg ap rentre, c'est ti kay ki tout dit yon sa haïtien rete la. Ça veut dire que c'est pas parce que vie a pi bon lè al vi le bois, non? Mais au minimum de sécurité, comme si malgré autant de petits problèmes, petits vols, etc. Le premier garantie au gain, même si on a province dominicaine, il y a une garantie au moins aux gens courants. Courant par un luxe pour eux, non pas. Alors que même on a capital là, même après de Montemassin qui a plein, il y a un débit clair, il y a un courant. Il y a un débit clair, il y a un courant. Il y a un chèque, attendez, mon petit au ville, oui. Ka plein yo rende bi killer ou courant y a mandé est-ce que DH est-ce que la lan Biden et pas deux monde k'ap mandé m la tete est-ce qu'on suspecte DH parti dans Biden et même pas konn pas konn s'il parti pas konn s'il la pas konn ta régler ça veut dire que ça c'est juste pour me dire que malgré tout ça et ben yo toujours montré que yo supérieur nous malheureusement. Et pour nous, on va raconter l'histoire. Oh, nous faisons l'histoire, nous sommes grand peuple. Et ça seulement, on dit pas les gros français. Mais nous sommes grand peuple. Et nous marquons l'histoire. La République Dominicaine, son pays sans histoire. C'est ça, tout le monde a dit dans la radio. Ok, qui sa histoire là, utile ou là? On fait l'histoire, ok? Et pour être dans saleté, dans fatra. Tenez. Ou être dans fatra, dans saleté. Et qu'on n'y a pas qu'à manger, vent ou reposer sous deux yo, qu'on n'y a humilié ou. Alors que, volume l'argent pour dépenser qu'à les voisins, nous t'es qu'à renforcer la production nationale, et nous allons faire un petit temps sur ça, t'as là, après, oublique, sentez-nous. Volume l'argent, nous pral dépenser qu'à les voisins, nous t'es qu'à renforcer la production nationale. Pour qui ça ne pas encourager jeunes garçons, jeunes femmes qui embrassent la production nationale? Nous chargeons plein de terres à gaspiller. Nos paysans ont été à travailler.
mais yo pas de moyens parce que yo pas joindre accompagnement, l'état pas accompagné. Bon, regardez ti jeune dans la toya. Nous dit c'est mambol, c'est diable, etc. parce que li gen façon, li gen religion parli façon j'ai parlé. Mais qui sa religion toya gen pour ak foi comme chrétien qui a fait travail qui mande support. Au lieu de supporter lui, n'a cherchons prétexte, nous dit c'est le gars. Tellement, nous mal fait dans pile, on pile dans nos haïtiens. Nous mal fait, oui, au lieu de supporter pour encourager qu'a fait promotion l'agriculture, qu'a fait promotion la production nationale, nous cherchons étiquette Bali et le gars ou lien. Eh ben ça me dit. M'a regardé des petits jeunes sur réseau à la dernier lait. Petit monsieur au caillou là dernier lait. Qu'a vendre produit la caillou. On l'autre gens. Encouragez yo, supportez yo, partagez sa yo vidéo. Parce que vidéo dernier lait, c'est juste pour yo dire monsieur, nous pas besoin vite gonfler n'importe où presse, vinn faire raquette, vinn mander. Majorité jeune n'importe quoi c'est mendiant ouais. Parce que pas de travail et ça te fait tout besoin de job dans l'état. Faut vinn jwenn bagay et ça te fait tout vinn pote valise nèg Port-au-Prince tout. Tout a cherche au ministère et ça te fait au plus fragile sur réseau pour jouer moun. Parce que c'est yo pas vinn yo pas gagner dans yo vinn faire. Oh, comment on est calagé là dans ministère ça? La gueule m'a vie boîte ça, non m'a dégagé. Ça seulement, raquette passé au bagage. Alors que, bon paquet de bagages que nous t'a fait, en pas en m'y entre là, à Beb, et ça, monsieur, États-Unis, là, vive. À pas là, vive Haïti. Monsieur, continue à produire plus bon contenu, qui cabali plus cob sous page li. Pendant la vente production nationale, pendant la vente produit local, supportez ça. Ça dit qu'on paquet de travail et n'al fait qu'à les voisins à une millième, nous t'es qu'à faire en Haïti. Mais ça te faut écrit là dans le titre là. Pour tout samedi la réalisable et réalisée, sécurité, sécurité, sécurité. Hagin lot encore. Parce que yon nan pi gwo dram tout ayis ki a viv jodi a. C'est parce que même si yon ta pran chance pour yon investi, moi personnellement, m fè expérience la. M pa di nou, m perdi yon rekòt pòm tè. On rekòt pòm tè. Pòm de terre. Ke m plante pòm de terre bien donné. Et puis le moment arrive pou vin vann Port-au-Prince, pa gen out. Et m perdi yon rekòt la. Alors que dans l'époque que m't'achetais plein, m't'achetais entre 7 à 800 dollars au sac plein pomme de terre. L'Elvin bon pomme de terre à 2300 et plus dollars. On 100 sacs pomme de terre à 300 dollars équivalent comme ben moi. Ben perdu parce que m'pas ka vinn vann ni. Parce que le problème que nous gagnons, c'est parce que nous pas gain capacité de transformation, nous pas ka transformer produit. Nous pral vendre pomme de terre dans marché pour nous acheter farine pomme de terre ou bien acheter chico dans le Dominique. C'est un pays difficile qui donc insécurité à y entrer dans toute bagaille. Ça veut dire le fait que pas de sécurité, la défaillance totale de l'état qui pas existé, et bien l'éclair justement nous pas qu'à bail résultat escompté. Et ça fait n'a toujours pris humiliation qu'un voisin. Parce que effectivement, des constructions t'es qu'à fait m'a regardé dans le nord pays d'Haïti. Bon, c'est une série de moyens qui décidaient à l'investir dans le nord pays pour faire une série de belles constructions. Mais, n'est-ce pas qu'à le travail qu'un dominicain, il t'es qu'à arrêter Haïti de faire comme ça. Bon paquet haïtien, même si les derniers mois, elles ne veulent pas payer haïtien pour le travail correct. Même ici, oui. Haïtien va vle payer Haïtien va rally, non? Les lagues comme la fonctionne, oui. Mais il vle tout bagali pour faire gratis. Les lagues gros entreprise, oui. Il vle pour faire promotion pour lui gratis. Il pas paye.
fait le gratis pour lui là. Ah, mon bagage, merci. Mais il pas payé. Il travaille avec lui, il pas voulu payer. Il y a un restaurant qui a marché, il travaille avec lui, il pas voulu payer. Ça dit, manier, et le problème, non, oui. Je me dis ça, oui. Haïtien égal problème. Malheureusement. Monsieur haïtien baka le pifo, mais nous pas problème, non dire nous pas problème, c'est là mieux moi nous m'dande nous comprendre, nous pas petit problème, nous pas gros problème, gros problème. Ça veut dire que et ça te fait après, même si t'as gagné quelques monde qui t'a décidé à le faire des bagages Haïti, on a toujours joué une quantité haïtien qui préférait à le travail dominicain. Parce que le connaît justement depuis vendredi arrivé, compliqué ton amel. Il crase le week-end là, trop paquet, oui. Son, ouais, c'est deux mecs son pays tout, son pays bambou chel, il est là-bas. De bon, il a touché dans le week-end là. Et puis, il est crase, c'est vrai ça. Et puis, il a bat pour le travail pour l'autre semaine là. Et puis, le week-end là, il a encore problème. Et puis, bâton. Donc, c'est ça, mais il a garanti ça. Donc, Haïti, nous tellement raquette. Les gars viennent travailler avant, mais pour gâter dans l'État. Comment pour travailler avec l'État, et puis après 3, 4, 5 mois, on va payer. Son l'État volant, alors que même l'État veut payer là, lui même coup moi arrivé le premier touché, comme ministre, comme directeur général. Vous payez à temps. Ou rejoignez, on a travaillé avec les parlementaires. Comme on chauffeur, un sénateur, un chauffeur, un député, il pas touché. Oh, honorable là, deux mois, il pas payé. Alors que honorable là, depuis moi, manqué pour arriver 30, il est en touché longtemps. Il n'est pas capable de payer. C'est nous-mêmes, c'est nous les malfaiteurs, même, oui, dans tout niveau, dans tout sens, oui. Et ça te fait, Dominique, a humilié nous, il nous vient sans valeur, je dis, dans yeux modèles. Ça dit, on n'a pas les Français, oh, nous marquons l'histoire. Oui, nous marquons l'histoire, mais qui ça nous fait page l'histoire, ça? Parce que marquer l'histoire, c'est bien. Mais c'est qui ça nous fait à page l'histoire de marquer? Nous chirel. Eh ben, pas un problème, non? Nous allons regarder ça tout à l'heure. Regardez justement, Jean. Gars qui parlait environ 10 000 haïtiens déjà déportés, et il parlait de conditions que eux-mêmes n'ont pas gagné moyen pour recevoir tout haïtien qui a débarqué sur là. Et nous allons garder panique dans Arcaïe Cabaret, dans zone Bercy en particulier. Ça fait deuxième attaque. Qui vivait Bercy? Qui s'est passé exactement? Nous allons garder ça justement. Et puis, j'aime dire, complot contre le pays d'Haïti. Et complot à l'Igou, nègre, pas pitié, parce que son complot, qui est dans l'église, qui est dans le secteur privé, qui est dans la classe politique, qui est dans les médias, oui, qui est dans la presse là, complot tout partout. Ça a dit, on croit que, complot cap manigancé contre pays d'Haïti à là, c'est pas un bagage pitié. Et, yon mot spécial pour toutes amis en Floride, eh ben, pendant